Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans lequel je vous emmène pour peut-être la compétition la plus importante de ma vie pour l'instant puisque c'est les championnats de France Elite qui vont se dérouler à Miramas. Mais aujourd'hui on est à Salon de Provence parce qu'on n'a pas trouvé d'hôtel à Miramas, mais on s'en fout parce que l'hôtel est incroyable, il y a une piscine, c'est un 4 étoiles, merci au club, à mon club l'ASPTT Rouen pour toute cette organisation et tout, c'est incroyable. Donc là on est arrivé hier c'était vendredi, aujourd'hui on est samedi, je cours ce soir à 22h, oui normalement c'est l'heure de dormir mais aujourd'hui on va courir hyper tard. Donc là je vais aller prendre un petit déj, je viens de me réveiller. Et après on ira normalement faire une petite activation parce que comme c'est tard ce soir je préfère faire un petit footing, des accels, des trucs comme ça. Et voilà, donc visionnage à vous et force à moi surtout. Amis, maintenant c'est parti pour une activation. Et oui, t'as vu les lunettes de BG maintenant. Donc c'est parti. Donc là, moi je vais faire environ, je sais pas, 30 minutes, entre 25 et 30 minutes. Des accels et des gammes et tout. Et Alice, normalement, elle a juste un footing. Et donc c'est parti. L'activation finie, donc j'ai fait 25 minutes, puis des lignes droites, des gammes et tout. C'était vraiment cool, même si vraiment j'ai pas trop des bonnes jambes. Donc on verra bien ce qui va se passer ce soir. En tout cas, là on va partir manger. Et donc voilà. Bon, des petites pâtes là qui vont faire plaisir. C'est la plus des gnocchi avec plein de fromage et tout. Ça te plaît ce que tu manges? Ah ouais, non, vraiment c'est trop bon. Là on a trouvé un resto italien, il est incroyable, vraiment. Donc là j'ai pris des pâtes avec de la sauce tomate et des oignons. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Et on verra ce que ça donne ce soir, si c'est le bon repas avant. Enfin après j'aurai un autre repas parce que comme j'ai dit, je cours à 22h ce soir. Et donc entre là, le midi et 22h, il faut que je mange. Là on est 18h et là je me prépare à prendre un dernier repas avant d'aller à la salle. Là j'ai pris un bagel tout à l'heure de chez Colombie. Comme j'espère bien le digérer, on va voir. Voilà. Donc tout à l'heure aussi j'ai fait une sieste vraiment très sympa de plus d'une heure, je crois 1h45. Mais vas-y, je suis un peu fatigué, je suis un peu en état grippal depuis deux jours parce que j'ai fait le vaccin contre la fièvre jaune. Et en fait un de ces effets secondaires qui est possible c'est que tu as un état grippal. Donc on verra bien comment ça va se passer. En tout cas là je me sens bien. Tout à l'heure je me sentais vraiment un peu mal, vous voyez et tout. Mais là je commence à me sentir bien après la sieste et tout. Cette nuit j'ai dormi plus de 9h, donc c'était beaucoup de sommeil. En tout cas vraiment j'ai hâte de cette course. Vraiment ça va être la première grosse course de ma vie un peu. Parce que les élites, c'est ma première fois aux élites. Et franchement je suis prêt mentalement, il faut que je sois dedans. Et il faut que j'ai faim, il faut que je me batte. Vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne place, il y a moyen de faire une belle course. Si j'arrive à rebattre mon record, ça peut être incroyable. Et voilà, hein, c'est des courses comme ça que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, j'en ai l'occasion, il faut que je profite à fond. Et je suis prêt. Donc suivons ça de près. Et vas-y, à tout à l'heure les amis. Là je me suis prise là hier.
passe avec sa capuche et tout en mode voyou. Ça va le voyou. Les amis, là on va arriver au stade. Comment vous dire que là le stress est à son summum. Vraiment, je stresse à mort. On y est, les amis, on y est. On va être fort, les refs. Il va falloir être fort. S'échauffer. Alice va m'accompagner encore comme une gentille accompagnatrice trop cool. Et donc là, on est environ à 50 minutes de la chambre d'appel. Et donc c'est parti. Donc là, je suis rentré à l'hôtel. Donc, petit retour sur la course là.
Donc je finis à la 12e place en 8 minutes 20. Bon, c'était une course plutôt compliquée pour moi ce soir. J'avais vraiment peu d'énergie, vraiment pendant la course. Le fait de me mettre derrière, c'était vraiment une envie. C'est vraiment avec mon entraîneur, on s'était vraiment dit que je devais partir derrière et essayer d'observer, de regarder comment ça se passe, si ça part vite, comme ça je serai protégé, et d'essayer vraiment de ne pas... Comme je savais qu'il allait y avoir beaucoup de changements d'allure, bah, je me suis dit que ça allait me faire éviter de faire gaspiller de l'énergie facilement comme ça. Et en fin de compte, les changements d'allure ont été là et j'ai dû m'accrocher. Et donc aussi, c'est ça qui a détruit un peu mon énergie. Je pense que le vaccin a joué aussi parce que j'étais en état grippal pendant 2 jours et tout. Même si j'ai fait une grosse sieste, ça n'a pas empêché ça, je pense. J'étais pas mal courbaturé, vraiment l'allure, je l'ai senti dès le début, je me sentais que je forçais un peu et c'était pas les meilleures sensations. Mais en tout cas, vraiment l'expérience, elle était incroyable. Les France Elite, c'est autre chose, vraiment. Le stade, il était incroyable, genre vraiment les lumières de partout. Il y avait des spectateurs, enfin des spectateurs, il y en a tout le temps, mais là, il y en avait vraiment beaucoup. Et les caméras qui t'entourent, les trucs comme ça, vraiment, ça rajoute du stress déjà. Mais c'est incroyable, incroyable. Et en vrai, même si cette course, elle n'a pas été genre parfaite, parfaite, franchement, moi je suis heureux de ma progression lors de cette saison hivernale. Et même si genre je finis pas avec la meilleure, meilleure des courses, comme je l'ai dit, franchement, ouais, je suis satisfait de ma saison. Je fais un 8-11 sur 3000, je suis vraiment heureux. Et voilà, franchement, je pense que là, le retour à l'entraînement va faire plaisir. Vraiment, et je vais aller m'entraîner, je vais revenir à l'entraînement avec beaucoup de motivation, vraiment plein d'objectifs dans la tête. Et voilà, donc on verra bien ce qui va se passer. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, mais pourquoi t'as fait le vaccin si tu savais qu'il y avait ce truc-là? Bah, j'étais un peu obligé parce que je dois partir quelque part la semaine prochaine. Et ce vaccin, le vaccin contre la fièvre jaune, il est pas obligatoire, mais vraiment très conseillé. Et donc, ça va être incroyable. En tout cas, cette aventure, elle va être vraiment, vraiment incroyable. Et à vous de deviner, peut-être dans les commentaires, où je vais. Et voilà. Et c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, c'est comme d'habitude, cette saison hivernale, c'était incroyable de vous emmener avec moi partout. On a fait plein de compètes. Je sais pas si vous avez remarqué. Et je vous dis à la prochaine. Et prenez bien soin de vous. Aussi, j'aimerais vraiment remercier mon club, le Rouen Normandie Athlétisme, pour leur prise en charge et tout, vraiment trop, trop, trop pro. Aussi, bah, je remercie mon entraîneur, Alice, qui m'a accompagné, elle est incroyable. Et aussi, bah, mon sponsor, Tough for Running. N'hésitez vraiment pas à aller acheter dessus, mettez le code MOUSSE et vraiment, il y a des trucs incroyables. Et je vous dis à la prochaine les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour de très belles aventures, j'espère. Et c'était Mousse pour Mousse Life.